Non, attends. Je vais marquer. Ouais, attends, bouge pas. Non, pas tout de suite. Macron voleur, c'est Romain Bartra, pour un SMS. Alors, COME. Ah oui, j'ai attaché à ce que c'est là. D'accord. Et ça fait quelque chose, c'est bien. Ouais, il est tout attaché. Voilà, sur Instagram et normalement. Ça roule. Bravo à toi! On a vu ton moi je vais aller boire un café, C-O-M-E-M-E-S-I-S-I-D-T-L-E-R. Confondez pas avec les cartes de CRS, alors, parce qu'on va pas au même endroit. Mais non, mais sinon, il y a certains qui sont trop pieds catonnés sur un truc, sur un truc un peu. Ah, non, il y a du monde dedans. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est moi le plus beau. Voilà. C'est lui le plus beau. Vas-y, je fais la colère. Bon, après ton portable, je vais téléphoner à ma fiancée. Tu pourrais sourire, hein, Daniel. Non, justement, c'est bon. Justement, on est en colère, les retraités. Les retraités sont en colère. Allez, prends des photos, ils t'entendent pas. Moi, je vous entends. Allez-y. Sourire ou colère? Allô. C'est vidéo. Allô. Ah bon, bah d'accord. Alors. Donc... Ah oui, allez-y, ouais. Vas-y. Ouais, parce que sinon, ouais. Nous, on notre est en colère. Le chauffeur de car, voilà, il n'a rien compris, il est resté à Il y en a marre et on se révolte. Et ça va, on va finir par ça va péter parce que les anciens en ont marre. Voilà, on a travaillé toute notre vie et on espère pouvoir aspirer à une retraite tranquille, sans problème, enfin, etc. Voilà. Donc, effectivement, de l'argent, il y en a. Il n'y a jamais eu autant de dividendes de versés depuis l'année dernière et au début de l'année aux actionnaires. Le CICE, c'est une vaste fumisterie. Le ruissellement, c'est une vaste fumisterie. Thatcher, elle l'a fait. Il y a un autre Américain qui l'ont fait. Ça n'a donné quoi? C'est que les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Et la classe moyenne s'effrite. C'est pour ça aussi. Il y en a marre de cette politique, de cette oligarchie. Il faut les virer, tous ces gens-là, et les mettre au boulot.